Bonjour. Bon, bah d'abord, je vais vous apprendre comment on fait pour avoir la Bugatti Veyron, une sacrée voiture. Et vous allez voir que, en fait, c'est juste en dessous du coiffeur. Je vais vous montrer sur la carte. Alors, vous voyez où je suis? Bah, je suis là, voilà. Tac. Et vous voyez le coiffeur? Et ben c'est juste là. Tac. C'est en bas à droite en fait. Et vous allez voir que c'est une sacrée voiture. Et la Bugatti Veyron. Vraiment une bombe atomique. C'est génial de la conduire en plus. Une vraie tuerie. Elle va à une vitesse pas possible, elle va super vite. Je la contrôle plus maintenant. Ouais, je la contrôle plus. Franchement, ce serait vraiment dommage si j'aurais un accident. Parce que parfois, j'avais une super voiture et les flics, ils devaient attraper quelqu'un. Et allez, bon, c'est pas grave quand on passe. De toute façon, quand elle sera au garage, elle va se réparer tout seul. Ça, c'est pas un problème. Mais parfois, les flics, ils vont super vite et ils tapent dedans. Une fois, moi, j'ai commencé à lance-roquettes, genre, j'ai pas dedans. Tellement que j'étais vénère. En fait, j'avais pas compris que, de toute façon, si on la met dans un garage, ben, ça va pas. Bon, alors ce qu'on va faire, on va la mettre chez moi. C'est pas grave, c'est pas du tout un souci. Donc on va la mettre chez moi. Une pause. Alors, le planc. Sacrée voiture, hein. Ça pour moi. Enfin, pas la peau, mais... Voilà, elle est bien. C'est plus à peine, hein. Là, j'ai coupé. Nouvelle voiture, la Bugatti Veyron, c'est ce que tout le monde veut. Tac. Allez. Non, aujourd'hui, c'est la voiture. Oh, j'ai fait un trou dans le mur. Regardez ça. Oh là là, quel boulot que je suis. Donc je prends mon vélo. Tac. Et je vais au garage. Et j'enlève une voiture bidon parce qu'il y a plein de voitures bidons qui servent à rien. Le vélo c'est bien aussi. Attendez parce que là je me repère plus. Bon, de toute façon là je prends une mauvaise direction. Tac, hein, vous voyez que quand même c'est la Bugatti Veyron, elle est superbe. Aïe. Parfois on perd des vies aussi quand on fait trop de vélo. L'endurance, on perd un peu de vie. Une fois moi j'ai été mort comme ça, j'étais dégoûtée. Parce que quand même on n'en trouve pas beaucoup. On n'en trouve pas souvent des vélos. Donc je préfère tout le temps mettre dans mon garage et tout.
toute façon, j'en ai déjà un dans mon garage. Après, c'est un autre système pour se déplacer. Hein. C'est bon, c'est plutôt bien. Il y a plein un petit vaisseau. Il y a plein de gros mots, je sais pas pourquoi. Tac, donc là, je me rends dans mon garage. Vous allez voir que j'ai quand même une belle Lamborghini Aventador. Magnifique Lamborghini Vanguard. Pour sélectionner avec une spéciale. Voulez-vous utiliser... Voulez-vous vraiment utiliser ce véhicule? Ça m'en fout. Je vais sortir cette voiture, le bidon, la blanche. Je sais pas pourquoi je l'ai pris, ça me sert vraiment. Bon ben voilà, j'espère que ben, c'était un petit bonus, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si vous aimeriez bien pouvoir prendre cette Bugatti Veyron extrêmement belle, c'est une tuerie.